Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent. Coucou tout le monde. Donc on va regarder ce qui va se passer pour. Mais pour la France, pour le mois d'avril, hein, on va se positionner là-dessus. Donc, je vais utiliser le tarot, l'oracle, pardon, de Laura. Avec le tarot zombie, je vais faire peut-être pareil pour l'Europe et le monde. Hein, ou le tarot, non, avec le golden tarot, genre. Les cartes principales, on déchiffrera le reste après. Donc on a les célébrités qui vont appeler à la paix, mais à côté de ça il va y avoir des trucs au niveau du transport. Donc est-ce que ça va coûter plus cher, est-ce qu'il va y avoir on va voir, on verra après. Peut-être qu'il va y avoir des soucis, peut-être des gens qui vont faire grève. Ensuite on a l'alimentation qui va, il va y avoir des soucis avec l'alimentation. Mais ça, c'est leur rêve de nous créer des soucis. Donc ça va pas forcément. Ça va fonctionner, mais pas comme ils le veulent. Et ils rêvent aussi de créer leur propre religion. Ensuite, ils vont faire. C'est alors les réseaux sociaux qui vont essayer nous faire croire aussi à l'alimentation. C'est eux, les gens, ils vont aller dessus, forcément, ils vont se dire, oh, les rayons, ils sont vides, faut, vite, 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 il faut aller chercher à bouffer. Et il va y avoir des choses qui vont changer au niveau de l'éducation et les réseaux sociaux, peut-être. Mais ça n'a pas l'air positif parce que ça va être un lien à la matrice. Ouais, ça sera peut-être pas positif, mais bon. Voilà, donc là, je vais décortiquer tout ça. Donc, les célébrités, j'ai le magicien. Donc, c'est un coup de poker, hein. Ils vont jouer de ça pour nous faire croire à la paix, quoi. Et ils vont utiliser la grande prêtresse. Et on a le 8 de pentacle. Donc on a une vipère là. Et on a la croix rouge, ça me fait penser aux aides humanitaires. En fait, ils volent de l'argent, les célébrités, ils se font passer pour des aides humanitaires, mais ils volent de l'argent, on nous dit. Ensuite, on a le 4 de coupe. On voit quelqu'un qui verse. Hein. Et on a le chevalier de coupe. Donc, pour le 8 de pentacle, je vais voir si on peut me dire plus de choses. Hein. Attitude circonspecte dans toute situation, mots et actions mesurées. Donc, en fait. Ils vont essayer de retomber sur leur pas. Vous voyez, la vipère, elle en a peur, mais elle y va quand même. Hein. Donc, voilà, la grande prêtresse, elle nous dit quoi dans ce jeu-là? Changement positif, épanouissement, intuition. Donc, on nous dit que malgré leur tour de passe-passe, il va y avoir un changement positif. Et le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe,
On nous dit que... Parce que vous voyez, c'est... il ne verse pas dans toutes les coupes. On nous dit que les plaisirs sont incomplets. Ils vont acquérir des choses, mais avec des ennuis. Et le cavalier de coupe, on nous dit... Affection enflammée. Amour pour la poésie, les gars. Donc... apparemment, il y a quelqu'un qui va sortir du lot pour... peut-être un artiste pour dire la vérité. Mois d'avril. Dire certaines vérités. Ensuite, on a sur Pays Liberté, on a le 9 de coupe. Vous voyez, on voit la pluie. Mais les coupes sont en pluie. Donc, les gens vont s'unir. Ensuite, on a le 8. Le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée. On nous dit effort inconstant, activité discontinue, fréquentation régulière. On nous dit que pour le moment, pour en arriver à la paix, malgré qu'on va avoir des aides, c'est pas assez stable. Hein? On nous dit que c'est pas assez stable. Ensuite, on a le 10 de coupe. Hein? Donc, le 10 de coupe, succès durable, générosité, dignité, sens du devoir. Donc on a quand même la générosité là qui sort là aussi, hein, la chance, le partage. Je pense qu'on va être pris entre deux feux, entre le partage et l'instabilité. Donc je pense que peut-être qu'il y a des choses qui vont se faire au niveau de l'Europe qui va nous toucher. Et ensuite, au niveau des transports, j'ai le 9 de pentacle. Donc, on voit quelqu'un qui coupe des roses. Hmm? Donc, gain attendu, augmentation des biens matériels. Épanouissement complet. Donc, on nous dit qu'ils vont faire des choses pour qu'on ne manque de rien. Voilà. Ensuite, on a l'alimentation. Et dans l'alimentation, j'ai sorti la reine de pentacle. Ouais, elle n'est pas très jolie, la reine de pentacle. Hein. On nous parle de générosité. Donc, il va y avoir peut-être de la générosité. Pas pour tout le monde. Ensuite, on a le chevalier de pentacle. Diligence, persévérance, sens des responsabilités. Donc il va y avoir des choses, diligence, ça me fait penser à l'armée, ou... Ouais, il y a des choses qui vont être faites pour... Il y a quelqu'un qui va venir pour montrer le sens des responsabilités, mais on a le 4 d'épée, qui est pas très beau, hein. Comme vous pouvez le voir. Hein. Repos après le combat, bien-être après l'effort. Donc on nous dit qu'il va y avoir un temps de repos. Hein. On a l'as d'épée et le 7 d'épée que j'avais sorti dans des jeux précédemment aussi. Hein. Donc l'as d'épée et le 7 d'épée. Dynamisme, pouvoir appliqué au bien et à la justice. Donc il y a des choses qui vont être appliquées au niveau du pouvoir, hein, mais on nous parle encore d'efforts inconstants. C'est irrégulier, donc ça va. Ouais, je pense qu'il va y avoir des soucis au niveau de l'approvisionnement. Voilà, je vais y arriver. Hein. Ensuite, avec le sommeil et le rêve, on a le rêve. Donc, on a la princesse de Pentacle. Donc, la princesse de Pentacle, on nous dit bien que
Analyse, réflexion, finesse intellectuelle, qu'il y a des gens qui analysent tout ça. Je répète que c'est pour la France. On a le 8 de coupe. C'est un vieillard. Perte d'intérêt, refus, abandon de la scène. Donc il y a des gens qui vont pas accepter la perte de certaines choses au mois d'avril et qui vont partir, qui vont quitter tout ça. Peut-être grâce à des gens qui ont tout analysé. Là on a l'impératrice et le hiérophant ensemble, hein, dans le rêve. Donc le rêve il va tomber à l'eau visiblement. Donc on nous dit la grande prêtresse, changement positif. Hein. Et pour le hiérophant, c'est patience et sagesse, explication. Donc, on va peut-être avoir des explications sur certaines choses. Hein. Ensuite, pour les religions, on a sorti le jugement. Et on a sorti la reine de bâton. Donc, il va y avoir des jugements concernant certaines religions. Ou certaines croyances qui existent, il va y avoir des jugements par rapport à ça en France. Donc peut-être qu'ils vont s'assurer, peut-être qu'ils vont dire des vérités sur certaines choses. Et... Reine de bâton. Ouais, qualité, champ, pouvoir d'action. Donc, il y a des gens qui vont essayer d'user de leur charme ou de leur, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent savoir, de ce qu'ils ont acquis ou des renseignements qu'ils ont pour juger certaines religions, certaines choses. Ensuite, sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on a le 5 de coupe. Hein. Donc, sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Renoncement au plaisir, autocritique, sens de perte. Donc, on nous parle encore de perte au niveau des réseaux sociaux. Là, parce qu'ils vont finir par être jugés, on a le 6 de coupe. Plaisir total, jouissance, divertissement, sensualité. Donc il y a des gens qui vont se divertir autrement, qui vont peut-être plus aller sur les réseaux, faire beaucoup moins ou changer. On a le 7 de coupe. Fatigue, stagnation, victoire incomplète. Donc les gens ils en ont marre, mais il va y avoir une victoire en partie pour internet et les réseaux sociaux. Et ensuite j'ai eu la reine de coupe qui était retournée. Elle est magnifique. Hein. Donc, la reine de coupe. On nous dit jovialité, imagination plus forte que les sentiments. Donc, en gros, ça va être le contraire. Donc, là, l'imagination ne sera pas plus forte que les sentiments. Donc, c'est les sentiments qui vont prendre le relais. Ensuite, sur l'éducation, on a le 10 de pentacle. Donc, on voit quelqu'un qui a l'air de s'occuper des fleurs. Richesse, fruit de l'expérience, rente familiale. Donc il va y avoir des choses qui vont s'améliorer sûrement pour les écoles. Ensuite on a le soleil, donc il va y avoir de meilleures choses pour l'école, ça c'est sûr. Et ensuite on a la princesse de coupe. Donc pour la princesse de coupe, douceur, gentillesse, courage devant les provocations. Il y a des gens qui vont faire preuve d'authenticité par rapport à certaines opinions pour la vérité. Et notamment, nous avons l'as de coupe. Fertilité, productivité, nutriments, grande joie, euphorie. Donc, il y a peut-être des choses hein,
Et on nous parle de succès durable, donc qui vont sortir concernant les enfants et les écoles. Et peut-être les piques, peut-être. On a la force et le soleil ensemble. Et on a la justice. Donc il y a des choses qui vont être mises en place pour les enfants, peut-être pour la pique ou voilà, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on a beaucoup de roses, donc ça pourrait faire penser à ça. Mais en tout cas, il va y avoir des améliorations à l'école pour les enfants. Ensuite, on a la matrice et on a les amoureux. Donc, les amoureux, ben, ils sont amoureux de la matrice, l'attraction, c'est l'amour, c'est le serment. Donc, ils prêtent vraiment attention à ce qu'ils veulent. Donc, on va compléter la matrice et la population, ce qu'on nous dit. Ah, donc on nous dit qu'il va y avoir des forces de l'ordre. L'eau, mer, océan, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concernant la matrice et les amoureux? Oui, il y a des gens qui aiment il y a des gens qui sont amoureux de la matrice, qui comprennent pas ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voyance. Donc, ah, alors, ok. Donc, les gens qui étaient amoureux de la matrice vont commencer à voir la vérité. Il va y avoir une entrée des forces de l'ordre. Alors, peut-être que c'est par rapport aux lanceurs d'alerte. Peut-être qu'ils vont s'occuper des lanceurs d'alerte. Hein. Pourquoi l'amoureux pour la matrice? Alors, ah, théorie de la compote. Et alors, ils vont se mettre contre les gens qui parlent de la théorie de compote parce que ça va trop sortir. Ok. Je vais demander à papa. Est-ce que. Est-ce que les forces de l'autre vont être pour ceux qui font partie de la théorie de la compote? Ah, ça va être pour les méchants. Et les forces, l'océan, le nettoyage, la vérité, la théorie de la compote, ça va être pour les méchants. Ok, donc on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Donc. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les écoles? Militaire patriote, bah dis donc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les écoles par rapport à tout ce que j'ai sorti? Ah, ils vont nous faire revenir le service militaire. Peut-être. Ils travaillent dessus, peut-être. Là, je comprends pas là. Ah! Ouais, donc on ressort la justice, vous voyez, la justice là, la justice là. Donc, je pense qu'il va y avoir un sacré jugement concernant les enfants, l'école ou peut-être la pique. Il y a des gens qui travaillent, les patriotes, contre ces pourris, ok? Et donc là, on avait vu. L'alimentation aussi. Là aussi. Bon. Ah oui, les transports, je voulais regarder. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les transports? Alors, ils vont utiliser le réchauffement climatique. Ils vont commencer à nous emmerder dans les transports. Mais il va y avoir des hackages de eux. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, en fait, ils nous mentent sur. Ouais, ils nous mentent sur le prix de l'essence et les transports qui vont payer cher. On nous dit que c'est Hollywood. C'est pour nous amener vers le passeport écologique. Et donc le contrôle mental et psychologique. Voilà, tout simplement. Une dernière chose.
Mensonge, conspiration, gouvernement. Gouvernement. Énergie, électricité. Ouais, donc ils vont nous trouver toutes sortes d'excuses. Hein. Bon, ok, d'accord. Bon, ben, c'est fini pour la France. Je vous embrasse tous. Mettez des pouces, partagez, éclatez-vous. Et puis, bisous à tout le monde. Voilà pour avril, pour la France.